Mesdames et messieurs, Lila et Manas, sous vos applaudissements. Bonsoir le palais. Ah. Alors, je vais poser une petite question avant de commencer. Est-ce que ça va bien ce soir? C'est bien ce que je pensais, c'est bien ce que je pensais. Non, on m'a dit, viens au palais, tu vas voir, il y a une super ambiance sur les scènes ouvertes. C'est la 3e édition. Et on m'a dit, franchement, ça vaut le coup, ça vaut le détour. Il y a un super public, mais bon, apparemment, il n'y a pas beaucoup d'ambiance. C'est bien ce que je pensais. Ah ben oui, mais je suis désolé. Alors on va la refaire, parce que vous n'étiez pas réveillé, on va la refaire. Est-ce que ça va bien ce soir au palais? Alors comme on vous l'a dit, je m'appelle Manas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'écris quelques chansons depuis quelques temps maintenant. Avant tout pour moi-même, pour mon côté un petit peu égoïste. Et puis maintenant, depuis quelques temps, pour les autres. Et ce soir, je voudrais vous présenter une jeune chanteuse que vous allez applaudir bien bien fort. Elle s'appelle Leila Vesla.
soir, on a très très peu de temps pour se présenter. C'est normal, il faut laisser la place à tout le monde. On va enchaîner avec un second morceau qui est le premier morceau que j'ai écrit pour Léla et qui symbolise un petit peu notre rencontre. Il suffit juste d'écouter le texte pour comprendre. Risque de choquer, si on refuse d'accepter.
Super soirée et les super conditions dans lesquelles on est reçu. On peut les applaudir bien fort. La municipalité, tous les bénévoles, le présentateur, Loïc au son, à la technique sur le plateau. Je n'ai pas tous les prénoms de tout le monde, mais il y a beaucoup de monde qui travaille là-dessus pour notre plus grand plaisir et pour votre plus grand plaisir. Alors merci beaucoup à eux. On les applaudit encore bien fort, s'il vous plaît. Et puis une dernière petite chose. On vous l'a dit tout à l'heure, mais si vous avez apprécié ce qu'on a fait ce soir, sachez que samedi 3 février, c'est-à-dire samedi prochain, je sors mon premier CD avec Léla. Vous pouvez retrouver Léla en première partie de mon concert. Je ferai un concert le samedi donc 3 février au Centre culturel Jacques Prévert à Aix-sur-Vienne. Donc c'est pas très très loin, c'est gratuit. Et il y aura parmi tous les morceaux, ceux que vous venez d'entendre ce soir, et puis bien d'autres avec d'autres musiciens également. Bref, une belle soirée en perspective. En tout cas, on vous remercie pour votre attention. Et puis on termine avec un dernier petit morceau. Vous allez pouvoir taper dans les mains, je l'espère. Léla et Manas, je crois qu'on peut les applaudir encore bien fort, une magnifique voix, bravo Léla.